nature que nature. Qui anime toutes les émissions de radio, dont Yvon Jean reçoit les comptes à rendre et plusieurs autres. Yvon Jean! Aujourd'hui même, il y a 25 ans, il y a eu 14 meurtres à la Polytechnique. J'ai écrit un poème suite à une autre massacre au Collège Dawson en 2006, Anastasia de Souza. Anastasia, plus jamais la folie. Et elle s'étue au dernier soupir. L'éteint de sa vie, c'est pour un rien, un vaurien, bien très cher payé de l'iriser folie. Il lui volera ses rêves, son avenir. Trop tard il est, mais elle ne sera plus. N'oublions jamais mes frères, jamais plus notre sœur. Non, morte en vain, solidaires, restons, soyons, pour contrer ces fous qui en silence rôdent leur hargne déversant dans les rues de nos peurs. Restons forts, unis, terrons-les à jamais, en son nom levons-nous, dénonçons ces de la vie traîtres. Que plus jamais n'arrive cette haine, cette folie de ces hommes qui se pensent tout, alors qu'ils ne sont rien, rien d'autre que le mal. La haine, le monde mène, controns donc ces mécréants, égocentriquement inconscients, tricisés, en otage ainsi nos vies tenant, n'oubliant jamais donc plus notre petite à tous sœurs, nos sœurs. Ainsi sa vie, leur vie si vite prise au hasard de l'homme, la folie, n'oubliez jamais, n'oublions jamais qu'elle ne doit pas morte être en vain. Plus jamais encore cette folie, plus jamais ces vies prises, plus jamais nous n'oublierons, plus jamais nous ne t'oublierons, plus jamais, jamais plus, plus jamais. Reposez en paix, mes petites sœurs, reposez en paix, nous ne vous oublierons jamais, plus jamais. Bravo.